Les affaires d'Eli sont là. Je savais que t'avais du cœur. C'est pas grave d'abandonner. Y a pas de honte à ça. C'est moi, regarde. C'est moi. Il a essayé de... Oh, la vache. Ça va. Tu m'as entendu? Non. Quoi? Regarde. C'est l'hôpital. On est enfin arrivés. Allez, on y va. Tu sens cette brise? Eh ben, tu vois, par un jour comme ça, je me serais assis sous mon porche et j'aurais joué de la guitare. Quand on aura fini avec tout ça, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Ouais, je pense que ça te plairait beaucoup. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ellie, je te parle? Non? Oh, ouais, carrément, ça a l'air cool.
J'ai rêvé que je volais une fois. Ah ouais? Ouais. Vas-y, raconte-moi. Voilà, j'étais dans un avion rempli de gens. Et tout le monde criait et hurlait parce que l'avion allait s'écraser. Alors, je suis allée dans le cockpit, j'ai ouvert la porte, mais il n'y avait pas de pilote. J'ai essayé de prendre les commandes, mais évidemment, je sais pas piloter un avion. Et juste avant qu'on s'écrase, je me suis réveillée. Je suis jamais montée dans un avion. C'est bizarre, non? Ah, tu sais, les rêves, c'est bizarre. Une autre ville, une autre zone de quarantaine abandonnée.